Salut pêcheur, on est nouveau sur l'eau là. Cette fois-ci, on est en plein sur l'eau, comme je vous avais promis, bah, sur le bateau, hein, comme vous pouvez voir. Alors, en plus, ça tombe bien parce que il a beaucoup plu là, bah, la dernière fois. Là, on est jeudi soir. Je suis allé pêcher quand lundi. Ouais, il a beaucoup plu, beaucoup plu. Le niveau a énormément monté. Il est toujours à 1 mètre au-dessus là, et c'est devenu impêchable. Et du coup, j'ai pris le bateau et de toute façon, c'était prévu que je fasse une pêche en bateau, hein, comme je vous avais promis. Et en même temps, j'en ai profité pour aller au fond d'un bief ou dans un grand gabarit, quoi, où c'est bien calme. Et il y a quand même des petits bras. C'est pas, y a du profond, il y a du pas profond, y a de tout. Il y a du sauvage, du pas sauvage, comme vous pouvez voir. Hein, c'est bien sauvage, quoi. Hein. Ouais. Et là en face, là. Ah, ça saute là, depuis avant là, j'en ai déjà vu 4 sauter. Et j'ai même vu une miroir. Hein. Et ce qu'il y a là-haut, il n'y a que. Il n'y a même pas 50 cm de fond. La moitié du bras, il y a 50 cm. Et la moitié où je suis, il y a 2 mètres, 2 mètres 40. Là, vu que le fond il est plus haut, il y a même 2 mètres 50. Alors j'ai pêché une canne là, au bord là, de mon côté. Et les 3 autres, j'ai sondé avec le dipper. J'ai tiré le plus loin possible, j'étais là où il n'y a pas de fond, et j'ai ramené tout doucement jusqu'à ce que je tombe sur la cassure, là, 1 m 30, en plus c'est propre sur la cassure. J'ai clippé le fil, j'ai mis un élastique là, marqueur sur le fil, comme ça à chaque fois que je rejette, je clippe le fil. Et comme ça, quand je jette, je clippe le fil, je tombe toujours au bon endroit. Parce que je veux pas être en haut de la marche, parce que je sais pas si ça pêche. Bon, ouais, je devrais essayer peut-être, mais. Voilà, pour l'instant, je pêche en bas de la marche. Les 3 cannes là en bas de la marche et une canne là au bord. Voilà. Alors, ouais, mon bateau. Hein. Ouais, la cabine là. Les panneaux solaires. Ouais, après, je vais faire une meilleure vidéo où on verra ça. Allez, on croise les doigts. J'espère que sortir mes premières carpes sur le nouveau bateau. Hein. Bon, alors comme vous avez pu le voir, je lance à la main, j'ai pas pris de Zodiac. Je regrette un petit peu parce que bon, finalement je me dis que là je vais normalement j'ai le temps là, je peux faire 3 nuits, hein, j'aurais peut-être pu le prendre, mais bon, vu que j'ai pas encore trop l'habitude avec ce nouveau bateau, il est lourd et tout, j'ai pas trop voulu me mettre trop la pression quoi pour le début. Il faut d'abord que je le prenne bien en main pour les mises à l'eau et tout ça, pas trop faire d'un coup non plus. Et de toute façon, ça me réussit bien de pêcher comme ça fait pas de bruit, rien, des fois c'est mieux, des fois on fait moins de bruit sans zod, rien là. J'ai le dipper, je sonde, je trouve le coin comme ça, je trouve un coin qui me plaît où il n'y a pas trop d'herbier au fond là. Je clippe le fil, je mets un élastique marqueur, mais je le mets pas au premier, au deuxième anneau. D'ailleurs là il devrait. Ah, il est à peu près là. Là, on le voit un et l'autre, il est un peu plus loin là. Où il est là. Ouais, il est là. Comme ça, il passe il est plus loin que le détecteur de touche. Parce que s'il est juste là, c'est pas bon. Il reste coincé dans le détecteur de touche, surtout les Delkim, les palpeurs, là, c'est pas top. Et voilà. Et si maintenant je ramène et que j'ai pas de touche, ben, je clippe le fil tout de suite, je ramène et je retire au bon endroit. Je sais que ça tombera vraiment à l'endroit où j'ai passé le dipper, où je sais où il n'y a pas d'herbier, où c'est propre, où il y a la cassure aussi. Voilà quoi, et là où j'amorce quoi. Et ça fait pas de bruit, rien, et c'est nickel comme ça. Après on verra bien, si ça mord pas, je changerai de coin et on verra. Bon, en tout cas il y a du fish, hein. J'en ai déjà vu 4 sauter là. J'en ai entendu encore quelques-unes là, mais je ne les ai pas vues, mais il y a de la carpe. Hein. Allez, on espère. Alors, je vous fais un petit tour du bateau là. Alors, tout d'abord le moteur. C'est un nouveau moteur, un tout neuf, il est année 2020. Malheureusement, Evinrude Rude a mis la clé sous la porte à cause du Covid quoi, en 2020. J'ai dû acheter un des derniers qu'ils ont fait. C'est un deux temps, alors maintenant ça n'existe plus les deux temps. Là, je suis bien content d'en avoir parce que ça renvoie. Hein. Ensuite, ouais, j'ai fait une plateforme là,
Ça s'appelle une plateforme de baignade, quoi. Mais bon, c'est pour tout, quoi. Pour pêcher, on peut bien. C'est costaud, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, il y a une petite trappe de rangement. Voici les rodpod. C'est des Solar A1 que j'ai adapté. J'ai acheté des rotules RAM, là. Comme ça, là. C'est les boules D, pour ceux qui sont intéressés, c'est des grosses boules. Hein, parce que si on prend des plus petites boules, ça glisse un peu avec le poids. Hein. Après, les rodpods, j'ai dû les adapter parce qu'ils tournaient sur le même. Ouais, j'ai dû mettre une petite vis, là. Et j'ai dû faire quelques petits trucs, quoi, pour plus qu'ils bougent, quoi. Hein. Ensuite... Alors, j'ai mis un siège en Sky Marin là, hein, avec les repose-pieds et tout. Il se lève, il tourne, comme ça je peux piloter là avec la poignée de gaz. J'ai mis le volant, j'ai tout fait moi-même. J'ai un poste Bluetooth là, j'ai la sono, j'ai même un caisson là en dessous. Bon, ça c'est pour quand je navigue, quoi. Hein. Alors, j'ai fait un banc où je mets tout en dessous là. Bon, il y a plein de... Là j'ai le réservoir là. Réservoir d'essence 50 litres. J'ai de l'éclairage un peu partout. Sur le toit, j'ai les panneaux solaires. 2 x 160 watts. Là j'ai fait une porte comme vous pouvez voir. Ben, déjà la cabine, je l'ai entièrement refait, quoi, parce qu'elle était trop basse, je l'ai surélevée. J'ai tout refibré, c'est moi qui a fait la forme là et tout. J'ai fait en contreplaqué marin, après j'ai fibré, là, ça s'appelle la stratification pour ceux qui connaissent. Hein. Là, j'ai fait une porte qui s'ouvre en deux, comme ça elle prend pas de place, vous voyez. On peut mettre le siège là, top. L'intérieur. Ouais. Alors vous voyez, j'ai fait des sommiers sur mesure. Avec des matelas sur mesure, j'ai pris un matelas, un dalopello là que j'ai coupé. Ma belle-maman a cousu les housses. Et le toit, j'ai isolé tout ça là. J'ai mis du liège projeté pour la condensation. Les fenêtres, j'ai fait des fenêtres qui s'ouvrent. C'est des baies projetables, ça s'appelle. Je me suis inspiré des baies qui vendent pour les vannes. Hein. Vu que j'en ai une, celle de ma camionnette, j'ai copié dessus, quoi. Comme ça, je peux ouvrir parce que c'est très important, hein, parce qu'il fait très très chaud là-dedans quand il y a le soleil qui tape. Hein. Et il faut une aération, quoi. Il y a les deux fenêtres, ça fait courant d'air, c'est impeccable. Ensuite, en dedans, là, il y a la bouteille de gaz, vous voyez, c'est une grosse bouteille. Pourquoi une bouteille de gaz? Parce que voilà, mon coin cuisine avec double feu. Et enfin, comme vous pouvez le voir, l'eau courante. Plus d'excuses pour pas faire la vaisselle. Hein. J'ai un réservoir de 30 litres là sous la couchette. Et là, je suis royal, je peux partir des semaines, des mois. Ensuite, pas fini. Un frigo. Et je peux vous dire qu'il est bien frais là. J'ai dû le baisser là, il était sur 5, je l'ai mis sur 3. Il y a même le congélateur. Là, c'est tout congelé dedans, j'ai de la viande, des crevettes, là je vais me faire une bonne bouffe demain là. Là ce soir je vais manger du saucisson et boire une bonne bière. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, j'ai des coupes-circuits. Par terre j'ai mis un revêtement EVA, là c'est comme les poignées de canne, là c'est super confortable. Là. On peut marcher pieds nus, tranquille, vraiment c'est royal et en plus ça fait moins de bruit et surtout c'est beau quoi. Hein. Ah, j'ai partout des prises USB, vous voyez, lumière, ensuite qu'est-ce qu'il y a de... Ah ouais, devant j'ai mis un moteur
un moteur électrique à 24 volts, 80 livres. C'est pour pêcher au carnassier hein, que j'ai mis ça. Et en même temps, ça me sert de moteur de secours au cas où celui-là il tombe en panne. Bah, normalement, il est neuf, il ne devrait pas tomber, mais on ne sait jamais quoi. Hein. Devant aussi de l'éclairage, hein, au cas où je navigue la nuit. Et puis voilà, ma foi. Hein. Si jamais je pense à autre chose. Ouais, oui. J'ai aussi un bimini, c'est-à-dire. Une tente là qui se déplie, mais là je l'ai pas monté parce que je suis en train de peindre, je vais peindre les arceaux là. Et la particularité, c'est qu'ils sont montés sur rail, ce qui fait que je peux les régler la hauteur. C'est pratique pour pouvoir rentrer dans le garage quoi, sans avoir à enlever tout le temps les arceaux quoi. Là je les ai enlevés parce que je vais les peindre et une fois que j'aurai fini, ils resteront tout le temps dessus. Voilà. Maintenant, apéro. C'est le petit matin là, ben, j'ai très très bien dormi, là il est 5h50 là, le jour est en train de se lever, pas eu un seul bip de la nuit, rien du tout, ça bouge pas, comme quoi vous voyez la Moselle, c'est vraiment capricieux, hein. Même que je suis dans un super coin là, franchement c'est un coin génial, mais il est pas génial toute l'année. Hein. Et je pensais. Et en plus, il y avait du poisson, ça sautait les carpes en face dans 30 cm d'eau, mais je sais pas, elles n'avaient pas envie de se nourrir. Je comprends pas. Il y a quelques carpes dans le coin, je sais pas pourquoi elles sautaient. Mais voilà quoi, c'est très difficile la Moselle. Encore une nuit capot. Alors, ce que je compte plus, je sais que j'en avais fait 14 capots avant de faire les poissons là, la dernière fois, là, pendant 3 nuits. Là. Donc, ça veut dire 17, ça doit être la 15e nuit capot que je fais. Mais bon, j'ai fait, oui, la dernière fois j'ai fait du poisson, quoi, heureusement. Mais bon, je vais changer de place, là, je vais prendre mon petit déj tranquillement. Et je vais sans doute changer de place. Voilà. Allumer le moteur et hop là. Comme on dit chez nous.
Voilà, j'ai changé de place là. Hier, j'ai fait une rencontre inattendue de deux superbes personnes là, vachement super sympa, Jeff et William. Et voilà, du coup, ils m'ont invité à rester avec eux, à côté d'eux là. On a passé la nuit ensemble, on a bien rigolé, on a un petit peu bu. Et ce matin, bon, on n'a rien fait. Et ce matin, en ramenant la canne, j'avais une baby miroir là, un magnifique poisson avec des écailles, mais magnifique, en pleine santé, pleine forme, mais une toute petite comme ça, elle a même pas perdu le plomb, elle est restée sur place, j'avais même pas eu de bip, rien là. Et voilà, du coup ça va sauver un peu du capot quoi, hein, pour la deuxième nuit quoi. Et là j'ai changé de place parce que il y a beaucoup de vent du sud-ouest là, c'est plus trop un temps à aller dans les coins de bronzette là, c'est plutôt un coin à pêcher je pense dans le chenal principal. Et bon, j'ai quand même une canne en bordure de nénuphar là, parce qu'il y a des nénuphars, et les trois autres cannes je pêche vers le chenal quoi, de plus en plus vers le chenal, comme ça je fais un barrage quoi, je stoppe, j'essaie de trouver la profondeur où il passe quoi. J'ai amorcé large en arrivant, direct avec la pelle là, avec la petite pelle, j'ai amorcé frolic, bouillette, j'ai mis un seau complet là, moitié bouillette, moitié frolic, seau de 13 litres là, ça il doit y avoir 5 kg d'amorce en tout là. Et là maintenant je jette à la main comme ça, tranquille, comme les pêches que j'aime quoi, voilà. En plus il y a le vent dans le dos, c'est nickel, ça, même si je veux faire un rappel par la suite, je jette en l'air et il y a tout qui va aller assez loin.
Impeccable. Allez, alors croise les doigts pour la troisième nuit, j'espère que c'est la bonne. Yeah. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai faim là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se fait? Onglet de bœuf mariné. Yes. Ah là, je me suis repositionné parce qu'il y avait un peu beaucoup de vent là, ça bougeait pas mal. Je me suis remis bien au bord, en même temps je suis plus planqué et aussi j'aime pas trop être trop dans le large avec les. Il y a des grosses péniches qui passent là, alors, pour demi-tour et tout, alors je préfère être plus près du bord. Allez, on va retourner ça. Saignant. Ah, regardez-moi ça. Deuxième fiche sur le bateau, là. La première, bon, elle était minuscule, mais alors celle-là, magnifique. Deuxième fiche, deuxième miroir. En plus, j'ai de la chance en ce moment. Hein. Ah, une belle boule, là. Une bonne douzaine de kilos, elle doit faire. J'ai pas pesé. Mais. Ah, c'est une belle petite boule, celle-là. Elle va devenir grosse, ça. Elle est magnifique. Magnifique. Elle a des traits, là. Partout, là. Super couleur. Yes! Content, heureux. En plus, j'ai vu depuis avant, là, j'ai amorcé un saut, là, comme je disais, de 5 kg de bouillettes et de froliques. Et depuis avant, je vois des poissons remonter, bon, 2-3, pas plus, mais pas des sauts, des petits marsouinages comme ça. Et j'ai vu une koi toute rouge. Oh, ça, c'est obligé que c'est une koi, une carpe, hein, parce que des trucs rouges, il n'y en a pas 36. Hein. Allez, check! Thank you.
ce petit matin-là, heureusement, il y a une carpe qui a pas voulu que je dorme, là, parce que sinon, moi, j'ai pas trop envie de me lever le matin. Elle a pas fait un gros départ, elle est allée dans les nénuphars directement. Et c'est une petite commune, là. Or, c'est bien, je suis content, il y a de l'avenir dans la rivière. Allez, elle est petite. Hein. Et ouais, c'est déjà la deuxième que je fais, là, aussi petite, là. Ça veut dire qu'il y a de la reproduction. C'est cool. Ah, il y a un oiseau qui vient de choper un poisson. Voilà. Voilà, c'est le troisième poisson de la session. En trois nuits, hein. C'est pas folichon. J'ai changé trois fois de place aussi. Du coup, l'amorçage n'est pas encore en place. Ah, je vais devoir un remonter là-haut. Et voilà quoi, alors je sais pas si je vais y rester, je peux faire encore une nuit, mais je sais pas. Bon, allez, voilà, on va la remettre. Ah les amis, ça gaz. Là c'est dur la vie, hein. Là je peux même pas chier un coup tranquille. J'étais en train de chier d'un coup, je vous vois arriver. Non, t'es pas en train de chier. Ouais, ouais. Ça pue la merde ici. Ah, ouais. Ah, ça pue la merde. Alors, ça a donné? Non, pas rien du tout. Ah, moi, j'ai fait une petite ce matin là. T'as fait une petite ce matin? Ouais, une petite commune. Ouais. Et juste après, une décroche. Bah, une décroche aussi, un petit truc, je pense. Ouais. Oh là, attention là-bas. Oh, ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà, regarde ça. Ça y est, la place. Yo! Hey, il a des mucus, le gars. À moins que tu sois un peu trop schlappé. Bien dormi alors. Ouais. Un peu trop schlappé. Bah, moi aussi, hein, elle m'a réveillé à 6h ce matin. Tranquille. Ah oui. Mais c'est un bon petit temps là, il y a moins. J'avais amorcé, ouais, il va rester un peu la journée. Ouais, là, tac. Vous n'avez pas de couvert. Hein. Ouais, c'est... Juste vous avez des couverts métalliques et... Ah, j'y tiens à ma assiette là. Ouais, c'est pas fameux. Hein. Mais j'ai vu des poissons de nouveau en bordure là, sauter là, ce, ah matin, ouais, ce matin. Sur celle-ci là-bas, ouais, mais des carpes, des carpes. Ouais, des carpes, ouais. Ah ouais. Ah, la bordure là-haut, elle est profonde. Ouais, après elle est de l'eau. Vous n'avez pas pêché la bordure là-haut là. Si. Si, on a essayé, ouais. Rien, rien du tout. Ouais, je sais pas. On a pêché une nuit le matin, on était barré. Ouais. Tu vois. Putain, vous étiez là-haut alors avec la tente. Ah ouais. Là derrière le bâtiment. Ah, ah, c'est juste là. Ouais. Devant les fenêtres. Ah bah sous les fenêtres. Hein. Sous les fenêtres, hein. On l'a cherché. Hein. Ouais. On a tendu le bâton pour être battu. Hein. Ouais, bon là il n'y a pas de place, mais je suis sûr que là peut-être qu'ils vous auraient même pas... Là, ici, là, tu vois, ouais. Regarde. Ah, ils ne nous auraient pas capté. Regarde là. Peut-être moins fait chier, quoi, je sais pas. Ouais, mais là, t'es juste à côté de la base-ville des ouvriers, hein. C'est le sympa, et ça, c'est la base-ville, elle est très bien. Ouais, là, il y a le fumoir, là, derrière, là. Il y a un réflectoire, là. Ouais. Moi, je suis venu en voiture, là, j'ai vite fait amorcer. Ils sont direct sortis, ils ont regardé comme ça. Je me dis, ah, c'est un gars qui amorce, ils sont rentrés. Et après, je suis reparti, tu vois. Ouais, même les ouvriers, regarde. Ah, ouais. Eh ben. Je suis juste venu amorcer et je pêchais là-haut. Ah, s'il y a moyen d'amorcer, ça va encore. Parce que c'est ça qui est chiant en bateau, tu peux pas trop amorcer à l'avance, tu sais. Ouais. Putain, ouais, c'est bon. Bien. À l'abri du vent. Hein. Ouais, je suis à l'abri du vent. Ouais, j'ai bougé d'abord, je m'étais mis un peu plus en large, ça bougeait un peu de trop. Et moi, ouais, je me suis mis là. Ouais, ce matin, elle était dans les nénuphars, la petite, là. Et... D'autres, je l'ai fait là, hier direct, là, belle miroir, là, entre 12 et 15. Là, devant le nénuphar. Ah, là, c'est la canne, là, un peu plus, là, un peu plus... Ah ouais. Bon, là, je pêche comme ça, tu vois. Ouais, j'amorce ouais. Avec la pelle, comme ça. À la pelle, en plus. Ah oui, bon, j'ai amorcé en arrivant, bien comme il faut les froliques. Ouais. Et là, je fais comme ça, et... Ouais, chut. Là, c'est la pêche que j'aime. Ouais, oui, tu te casses pas la tête, là, tiens. Et t'as qu'un seul pied par tablette là. T'as un seul montant là. De renfort. Il y en a deux. Deux. Ouais. Deux là et deux là-bas. Ouais. Ah ouais. Mais là je suis en train de réfléchir, c'est quoi. J'ai bien envie de m'acheter encore du bois. J'ai bien envie de mettre une planche qui se déplie comme ça.
qui prend toute la large. Il y a encore sa peau. Ah bah t'es quoi, regarde, même là je suis encore... Ouais, ça bouge pas le millimètre. Même là je suis encore vers le haut, j'ai la pression. Parce qu'il penche un peu en avant, t'sais. Ouais, grave. À mon avis, je peux rajouter facile 30-40 cm pour mettre le, tu vois, le tapis de réception, tout. Je fais un truc qui se déplie avec des deux tubes qui tiennent de nouveau par en dessous, tu vois. Ou des chaînes. Oh, les chaînes, bof. Je préférerais des tubes quand même. Parce que moi, ça rentre pas dans le garage. C'est pour ça que j'ai pas fait plus loin. Ah, en fait, oui. Derrière, ça touche le mur et devant. J'ai déjà dû rallonger, changer de porte de garage, j'ai mis une battante par l'extérieur, tu sais. Wow, et quand je ferme, je mets une planche et j'appuie sur le frein. J'ai la porte sinon qui est défoncée, tu sais. Oh. Et il bouge plus le bateau, il est il rentre tout pile. Ah, t'es millimètre, j'aurais pas pu faire plus grand, c'est pour ça, sinon j'aurais fait plus long. Voyez. C'est quoi, c'est un réservoir que t'as fait faire, ça? Non, c'est acheté. C'est acheté, il y a déjà. Il y a pas tout, non, il y a déjà juste les trous. Après, il faut que tu rajoutes la jauge, il faut que tu rajoutes les tuyaux. Ouais, les tuyaux, ça coûte une blinde, les tuyaux spécial carburant là. Surtout le 38 mm là, pour le. Bon, quand j'ai mis l'essence. Ouais, je l'ai mis là, elle coule mal, tu sais. Les gens, ils avaient envie de klaxonner derrière. Voilà. Non. J'ai que mis 20 litres là, je suis de nouveau presque à sec. Moi, j'ai fait pas mal. Hein. Ouais, bah oui. Et ouais, comment tu consommes à l'heure? Bah, à plein gaz, 25 litres. 25 litres à l'heure? Ouais, à plein gaz. Ouais, hein. Plein gaz. Après. Bah, à plein gaz, si tu vas à 60 km/h, tu fais 60 bornes. Ouais, ça va. Ah ouais, t'as déjà de quoi voir. Bon, allez. Ouais, bah, ce fut un plaisir, hein, peut-être une autre fois. Hein. Ouais, pas de soucis. Allez, ciao. De toute façon, c'est. Maintenant, on est en contact. Bah oui, ça roule. On suivra les numéros de tel. Ouais, ça roule. Ouais. Allez, zoom. Allez, tchou. Allez, ciao. Ciao. Ouais. Mais fais pas tout, hein. Laisse-nous en. Ouais. Ouais, j'aimerais bien une grosse là et après je me casse. Ou pas.